Hey, salut les gars, on se retrouve pour un petit haul de chez... Tadadada, roulement de tambour. Action les gars. Je suis trop contente. Là, action, genre action les gars. Allô. Holo. Action. Et j'ai dépensé de l'argent, donc j'espère que cette vidéo va être rentable. Bien sûr. Là vous voyez déjà il y a plein de petites conneries et tout, wow, ça va être magnifique je vous jure. Cette vidéo je l'ai attendue mais comme jamais on a attendu quelque chose de sa vie, même le Père Noël je ne l'ai jamais entendu comme ça en fait. Attendu, ouais, je parle vite donc il dirait que je dis entendu, mais en fait c'est attendu, bref, passons. Mon petit outfit du jour, très basique, très jean à trous et tout, swag les gars, wow. Bon pour ceux qui demandent pourquoi j'ai ça sur la tête les gars, à votre avis, pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, bien sûr, les vrais fans, les vrais abonnés en fait. Je parlerai pas des autres. Non, je rigole. Non, mais sinon, en vrai, il n'y a plus de cheveux en dessous, d'accord les gars? Je suis aussi chauve que Zizou. Ok les gars? Mais je le vis bien. Tranquillou pilou. Hein, franchement, en plus avec un petit bandeau comme ça, franchement, très cute. Ça a un petit style. Bref, on commence le live. Pas le live, la vidéo. Mais oui. Je dis déjà n'importe quoi. Oh là là, ça va être long, je vous le dis. Hein. Franchement, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais ça va être long. Les amis, donc en fait, il y a beaucoup d'articles, bien sûr. Donc cette vidéo est très longue. Oups. Mais il y a un article, c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir. C'est pas ça, hein, mais ça, je vous ferai en dernier, en fait. Ça, c'est un truc bidon. Mais bidon, ne tuez bidon. Hein. Le truc, c'est tout le monde là, en fait. C'est une perche, pas selfie. Mais moi j'en avais pas. J'ai toujours voulu en avoir une. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, hein, c'est bidon. Mais petite perche à selfie, écoutez. Pourquoi pas en fait. Quand je suis dans la rue, je fais mes petits selfies et tout. Ah, dans la rue. Surtout quand je fais mes selfies, mes vlogs par exemple. Vous savez, je sais même pas ça marche comment. Waouh. Waouh, Eleonore, tu débarques. Bah si, on va poser le petit phone comme ça. Et après, bah... Et ouais. Faites pas les mains avec moi maintenant, Yako. Waouh. Bah ouais, en vrai. Pas mal, hein. Bon, je vais pas la tester parce que théoriquement, je filme avec quoi? Avec mon téléphone, hein. J'ai pas encore les moyens pour filmer avec autre chose, mais bon. N'en parlons pas. Je rigole, les gars. Non. Sinon je la testerai et je vous dirai quoi, parce qu'en soi là, je peux pas la tester, je vais pas mettre ma tablette dessus non plus quoi. Mais bon, ça a l'air d'être une petite perche à selfie très cutie, hein. Je valide beaucoup, je validerai encore plus si elle marchera. Si elle marchera, bah non, elle fonctionne, Eleonore. Elle fonctionne, ça a pas de jambes. Bref, je commence déjà. Ah là là, je sais pas j'ai quoi aujourd'hui, je suis très énervée, genre waouh. Pourquoi j'ai choisi ce jour pour vous faire une vidéo, les gars? Bon, bah sinon, je peux pas la noter en soi, la petite perche. Mais je pense que ça doit être un objet très utile, en fait, à ma vie. Ouais, clairement. On va passer à un autre. Les gars, soyez prêts. En fait, dans mon haul, il y aura des mélanges de tout et de rien. Genre, j'ai été action. Je me suis dit, mais je vais mélanger tout, bouffe, tout. Donc là, ça. C'est très cute, un peu. Genre, l'emballage, waouh. C'est amazing. Pardon, capte-toi Eleonore, s'il te plaît, capte-toi. Waouh! J'essaye de pas l'ouvrir sans faire un carnage en fait, parce que je veux que ça reste cute un peu, c'est trop mignon. C'est du petit glace et tout là. C'est pas cute, genre. Waouh! Et là aujourd'hui, j'ai posé un truc à côté de moi pour éviter de balancer tout à terre, genre. Quand même, quoi, on va arrêter au bout d'un moment de tout balancer à terre, parce que sur toutes les vidéos, t'entends ploup! Et tout tombe à terre. Donc là, je reste soft. J'ai posé un genre comme une petite table quoi. Petite table. Waouh, ça se voit qu'il fait chaud dehors, hein. Ça commence déjà à fondre. C'est pas magnifique. C'est trop cute. Ça, à la fin, là, le bout. C'est le truc que personne ne donne. Si je le donne, oh, c'est que je t'aime. Bon, on va goûter. Tais-toi, écoute, stop. C'est au chocolat au lait. Délicieux. J'adore. Je valide.
Et ouais. Ça va être mon repas de ce soir de goûter des trucs en fait. Let's go. Pourquoi pas? Je valide. C'est dans mon panier. Validé. Let's go. Si je fais ça, c'est vraiment que c'est nul. Hein. J'espère pas faire le petit doigt comme ça. Ils sont chelous mes doigts, wesh. What? Mon tatouage il est beau, mais mes doigts. Bof. Validé. Bon les mecs, j'essaye de faire la nourriture en premier parce que il fait assez chaud aujourd'hui, donc j'aimerais pas que toute ma nourriture dans mon sac fonde quand même. Donc là on va goûter les lions caramel blanc. Bon, vous allez me dire c'est peut-être des trucs connus pour vous, mais les gars, comme je précise, on n'a pas tous la même vie, hein, ok. Enfin, maintenant j'ai les finances comparé à quand j'étais petite en soi. Genre j'ai l'oseille. Mais c'est des trucs forcément que t'achètes pas non plus tout le temps. Truc que tu goûtes une fois dans ta vie, limite. Enfin voilà. Bref. Raconte pas ta vie, Léonore. No! Stop! Très beau, un lion. Je mange jamais de lion de ma vie. Merde. Un lion, quoi. Oh, c'est trop bon. Édition limitée, attention, les gars. Mais attention! Ça, vous pouvez pas tout le temps en avoir, ça veut dire. Par contre, c'est dingue. Trop bon. Bon, attendez, j'ai soif quand même parce que. C'est bon. Ça, on vous le présente plus, les gars. Eh, Lipton ou rien. Lipton ou rien, les gars. Très bon, franchement. Conseillé. Validé. C'est validé. Bon, là, arrête de manger, je meurs. Stop, les gars. Donc là, en fait, je vous précise la chose. La chose. Ouh, je fais ça comme ça sur ma chaise. Je vais tomber dans une minute. Bref. J'étais avec mon copain. Lui, il a mis ça dans mon caddie. Pour ça, tout le monde a déjà goûté du popcorn. Mais pourquoi il a mis ça dans mon caddie, en fait? Le mec s'est improvisé une soirée. Tranquillou. Mais genre, tranquillou. Donc là, j'ai dit, je me dis, est-ce que je vais les goûter? Est-ce que je vais les manger? Est-ce que je vais lui faire chier un peu? Non, je suis quelqu'un de très gentil quand même. Non, je vais aller les goûter. En fait, les gars, ça cuit. Mais genre, j'ai peur parce que je fais jamais de cure de popcorn. Moi, j'en achète, les gars, genre déjà fait. Là, ça fait toum 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 et ça gonfle. Et là, je suis là en train de vous tourner la vidéo alors que la cuisine est là-bas, genre là-bas loin. J'ai la conscience tranquille, je vous jure. En 2 minutes, il va avoir un bordel chez moi. Je vais rien comprendre à ma vie. Genre je vais bien le vivre, je vous jure, je vais... Oh my god. Les gars, on a parlé déjà. On va parler de... Ça, c'est brûlant, mais genre brûlant de fou. Moi, tout le long, là, j'avais peur, j'étais en panique, j'entendais que ça pétait dans le micro, j'étais en mode... Wesh, je sens que je vais mourir. Mais non, mais attends, c'était pas ça le pire. C'est pas que mon micro me pète, ça, je m'en fous carrément. Pourquoi j'ai une tache sur mon haut? Genre, j'ai dû boire et me renverser, j'ai pas fait gaffe, là, il y a genre 5 minutes. Mais j'ai une tache. Une micro-tache. Mais je la vois, moi, elle est là. Bref. Je sais pas comment j'ouvre ça. Moi, j'ai peur que ça me pète dans la tête, en fait. Ça brûle, en plus. Wow. Ah, ça commence à s'ouvrir, en fait. Je suis bête. Mais en sous-eau. Mais je me dis pas que le truc il allait être aussi gros, le paquet. Ah, ah, ça brûle. Ah. Je sais pas si vous attendez que ça refroidisse, en fait. Parce que je sais pas si ça se mange chaud, du coup de corps. Mais... Eh, je débarque. Moi, des fois, je dirais que je suis une haleine. Mais il est beau en ce moment, mon popcorn. Il est beau. Il sent bon. Oh, c'est chaud. Petit pot de corne. Pourquoi ça continue à péter? J'ai ouvert le micro-ondes, ça continue à péter. Moi, j'étais en panique. Je vous dis, il y a le micro-ondes. Il était là. Moi, j'étais là. J'étais cachée derrière un truc, en fait, en mode... Si jamais il casse, hop. C'est pas moi. Ni vu, ni connu. C'est quel pot de corne, lui? Je sais pas s'il faut mettre un truc sur le pot de corne. En soi, il est bon, ça va. Mais je pense que j'ai oublié de peut-être mettre du salé ou du sucré. Je sais pas, il faut mettre quoi dessus en fait. Je débarque, les gars, je vous jure que je viens pas de cette planète, je pense. Il est réussi, mon pot de corne. Mais j'ai eu peur. Franchement, c'était waouh. Moi, j'étais en mode c'est la guerre, on va tous mourir. Non, Eleonore, tu fais juste cuire du pot de corne. Tu ne vas pas mourir. Bon, il est validé.
validé. Amigo. Là, c'est intéressant en fait. C'est ouais. J'ai pris des masques. Attendez, il n'y a pas que des masques. Ça, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est pour le bain. Donc, soit en soi. Oh, je sais plus parler. Waouh! C'est pour le bain, je peux pas vous les montrer. Je vais pas aller non plus me laver pour vous faire montrer ça en fait. Je vais me laver après, pas maintenant. Je les testerai, je vous dirai quoi. Mais là, j'ai envie de tester ça en fait. J'avais déjà vu des TikTok sur ça. Les masques, mes princesses. Attendez les gars. Là, c'est une dinguerie, j'adore ça. Donc en fait, je sais pas, on va tester lequel. Il y a Blanche-Neige. Ça, c'est moi. Réponse ou Cendrillon. Et j'ai acheté du coup, il y a le truc de bain dans mon petit sac. Waouh! Il y a ça, genre truc pour masser sa tête, je pense. Je voulais en soi un cobaye, mais la personne à qui j'ai proposé, qui est mon copain, a refusé d'être mon cobaye. Donc en fait, moi j'étais en mode, what? Genre, tu refuses? Moi en fait... C'est comme dire mes sentiments en fait, de proposer à quelqu'un de lui faire un masque. Mais vas-y, il a refusé. C'est tout, il a refusé. J'ai pris ça, les gars. C'est pas trop cute? Aïe, cutie. Bref, on va tester un masque sans présence de être infâme. Bien sûr. Bon, je vais faire... En vrai, réponse. Bon, j'ai passé les cheveux, malheureusement. Moi, je suis plus monsieur propre que réponse ou autre princesse en ce moment, mais je le vis bien. Oh là, je le vis bien. En fait, je rigole beaucoup sur ça, les gars. Vous allez remarquer. J'aime bien en rire, en fait. C'est mieux d'en rire qu'en pleurer. Parce que pleurer, j'ai pas que ça à faire non plus. Hein. Pleurer, c'est du temps. Et j'ai pas 5 minutes dans ma vie pour pleurer. Genre, hier, c'était rigolo. J'avais une collègue à moi, elle me disait Aladdin. Parce que j'avais ça sur la tête. Moi, en soi, je rigolais. Et tout le monde était en mode, oh, mais arrête et tout, genre un peu gêné. Moi j'étais en mode, wesh les gars, c'est vrai, je suis Aladdin et tout. Y'a pas, les gars, si je rigole, ils rigolent aussi. Parce que si les gens ils rigolent pas, c'est ça le pire en fait. C'est... Par contre, je sais pas comment je vais faire avec ça sur la tête et faire un masque. Mauvais bail, un peu, je suis maquillée et tout. Waouh! Waouh, je sais pas moi. On fait comment moi? Je fais jamais de masque, les gars. Non, non, ma tête elle est trop petite. Elle est trop petite ma tête là. Waouh. Ah, j'aime pas ça les masques. Je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de pousser un peu mon bandeau, mais je vais pas non plus vous montrer mes vaches. Bah, il y en a pas, mais. Arrête, Eleonore. Oh, je m'énerve moi-même. Je suis chiante. Ouh. Oh, c'est dégueulasse. Non, franchement, je sais pas comment je vais faire, les gars. Il fallait vraiment que je teste sur quelqu'un en fait. C'est insupportable. Ouais non, ça marche pas comme ça. Ah. Par contre, ça sent hyper bon. C'est quoi, je vais me laver le visage avec. Hein. Ça goûte en plus cette merde. Waouh. Voilà. Je me lave un peu le visage avec. C'est tout doux. On teste pas tous les masques de la même façon les gars. Eh, je vous jure, ça coule et tout. C'est quoi ce délire, wesh? C'est pas un masque, ça, c'est de l'eau. Hop là. Donc en fait, j'étais maquillée de base. Aujourd'hui en plus je me suis maquillée pour une fois. Genre j'ai fait des petits traits et tout en mode waouh. Tiens, allez hop, il y a plus de traits, rien du tout, et moi je vous le dis. Waouh. Ah. J'ai pris mon petit camp de toilette violet. Bon, tant que j'ai du truc sur la tête, dégoûtant, dégoûtant, vraiment dégoûtant. On va faire ça. Ah non, bien sûr, elle veut pas. Oh. Ah, ça va dans ma bouche. Oh. 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 Dégoûtant. Bon, action. Hein. Ça va 2 minutes vos emballages. Hein. Mais genre 5 secondes. Aïe. Voilà. C'est quoi ça? Oh, c'est tout doux. Ça fait quoi, ça va faire de la mousse? Vous avez rien en fait. Ça ne nettoie pas la peau, genre normalement. Je sais pas, ça fait quoi en fait. Je vous jure, hey, quand je fais mes vidéos, comment je m'affiche, les gars. Il n'y a pas à s'afficher autant. En fait, à part me rendre rouge de ouf, les gars, ça fait rien du tout ce truc là. J'aime pas la sensation d'avoir de l'eau sur le visage, genre. Waouh.
Wow. My God. Voilà, on manque mes yeux. Wow. C'est n'importe quoi, je vous jure. Je fais n'importe quoi. Ma vie, c'est n'importe quoi en soi, donc... Je fais n'importe quoi. Je vais laver mon visage vite fait, là, parce que... Waouh. Bon, les gars, en soi, les masques... Sans mentir, ils sentent trop bon, hein, franchement. Je vous jure, ça sent trop bon. Mais ça, c'est un truc, en vrai, que... C'est compliqué un peu à tester en vidéo. Enfin, pour moi, là, avec ça, franchement, je vais pas vous mentir, c'est grave compliqué de tester en vidéo. Parce que je peux pas l'enlever. Vous voyez? Vous voyez? Mais sinon, je vais les tester dans mon bain. Franchement, le soir, quand j'irai me laver et tout. Je testerai même ça, le truc que je trouve qui sert à rien, mais... Ah bah si, ça c'est doux en fait. Oh, c'est tout. C'est tout doux. Tout doux. Non, je vous jure, c'est grave doux. Waouh. Ouais. Calme-toi, l'odeur, s'il te plaît. Ouais, sinon je vais le tester dans mon bain et tout. Et je vous dirai si c'est bien ou si c'est pas bien. Théoriquement, ça devrait le faire. Il y a le soleil qui tape sur moi là. Genre, chaleur et tout là. J'aime pas. Bah... La chaleur, c'est ça. Ça, je vais le tester par contre en vidéo. Parce que je vais prendre un récipient, je vais le mettre dedans. Enfin, voilà quoi. Et les gars, bien sûr, j'ai tout prévu. Au magasin, j'ai pris ça. Je me suis dit, je teste ça dans ça. Genre pour qu'on voit direct l'effet, genre. Ouais! J'arrive. Les amis, je savais pas s'il fallait mettre eau froide, eau chaude. J'ai mis de l'eau bouillante. D'accord? Au milieu de net, un juste milieu en mode, j'ai mis de l'eau tiède. Bouillante, clairement. J'ai mis de l'eau bouillante. Regardez mon petit... Waouh, c'est chaud les gars. Je fais gaffe parce qu'en vrai, je suis clairement un Pierre Richard, d'accord. Donc dans 2 minutes, tout va se renverser sur moi, je vais rien comprendre. N'espérons pas parce que ça va mal tourner sinon. Bon, par contre, Mickey était gentil, d'accord. Pourquoi je fais pas ma vidéo avec des ciseaux à côté de moi? J'ai toujours besoin de ciseaux, c'est ça le pire. Oh. Ça va être rigolo, c'est qu'après, je vais devoir tout relaver ma maison à cause de ça. Parce que ça, je fais des dégâts, moi, quand je fais des vidéos... Ça perd de la poussière. Chou, moi j'ai commandé un bloc de béton ou un truc de bain. Oh mais oh. Bon. Demain on sera encore là les gars. Demain on sera encore là. Je vous le dis. Voilà, voilà. Carnage. Et comment je vais faire pour... C'est lourd les gars. Pourquoi j'ai mis autant d'eau? Ah, ça me glisse des mains. Je vais faire un carnage. Bon, je le mets dans l'eau. Wesh, il dirait que j'ai mis un dafalgan dans l'eau, les gars. C'est rigolo en soi. Waouh, so cute. Ça fait des petites. Tout partout. Ah, ça sent hyper bon par contre. Ouais, bien sûr, dites-vous que j'ai jamais fait les boucles de bain. Je suis une débutante, je ne connais rien. Pour moi, ça, je trouve ça trop. Si je ferme, ça fait quoi? Il dirait du gazeux. Il dirait que j'ai mis un mentos dans du Coca-Cola, les gars. C'est trop cute. On voit encore le petit. Bonhomme qui va bientôt disparaître. Waouh, j'adore, je valide les gars. Mais ça, je valide, genre. Pouce en l'air. C'est rigolo. Par contre, je fais que mettre de l'eau partout. Ça brûle, les gars. Let's go. Finir cette vidéo. Donc, à chaque fois, moi, à chaque fin de vidéo, j'ai soit des bleus, soit des brûlures ou autre. Bah là, aujourd'hui, j'aurai des petites brûlures. Pourquoi pas? Espérons que je vais pas me cogner d'ici là, quoi. Waouh, so cutie. J'adore. Bon, ça se refroidit un peu. Ça avec les mains. Tada! Une gamine! Waouh! J'ai jamais vu ça. Les amis, je trouve ça très rigolo en soi de tester les boules de bain. Franchement, je valide. Bon, là, on va prendre des autres. J'ai pris tout et n'importe quoi, je vous jure. Mais genre, regardez. La petite bébête! Je sais pas c'est quoi. C'est. Je sais pas, une. En fait, c'est juste une bête. Mais genre, regardez. Alors, déjà, c'est trop rigolo. Elle est trop moche. La bête, elle est trop moche. Mais dire, elle me regarde. Waouh! Waouh! Doucement avec ça. Ça fait mal. Oh! Je vais taper de ses joints avec. Tiens! Comme ça. C'est rigolo. Ouh. Calmos, calm down. Ouh. Non, c'est trop rigolo. Genre, tu peux faire peur aux gens en vrai en soi. Waouh! Comme ça. C'est moi qui sursaute, hein, mais. C'est ça, de toute façon, à chaque fois que je vais faire peur aux gens, c'est moi qui se ressaute. Petit lézard, très cutie. J'adore.
Je vais être dans cette vidéo, vous allez voir les gars. En fait, tout ce que j'ai pas pu avoir limite dans mon enfance là, je l'ai acheté en soi. Genre j'étais en mode waouh. Mon copain il m'a beaucoup jugé, il était en mode repose. Il y a certains trucs, je vais pas vous mentir, genre le nerf. J'en voulais trop hein, moi quand j'étais petite. Il m'a dit de reposer, j'étais trop. J'avais le cœur fendu, j'étais en mode mec, gars, on en achète un chacun. Genre, et on se dit, qui fait la vaisselle ce soir, on fait une bataille. Mais pourquoi pas? Mais il a pas voulu. Ça, c'est mon kiff, je vous jure, c'est. Je vais taper avec et tout là. Tiens, ah. Validé, bien sûr, vous l'aurez su. Pas Banks. On va l'appeler Théodore. Allez, Théodore. On va finir une petite vidéo avec lui. S'il tombe pas d'ici là. Bon, les gars, avec notre petit ami Théodore, ici présent, bien sûr. Très fidèle, très fidèle. Franchement, c'est un ami très fidèle. On a ça. Mais je sais pas c'est quoi. Happy surprise. Surprise, motherfucker. Pardon. Calme-toi, Eleanor. Allez, hop là. Je vous jure, j'ai pris que des jouets. Non, pas que des jouets, en vrai. Mais franchement, j'ai pris beaucoup de conneries, en vrai. J'étais en mode, waouh. En vrai, en soi, les petites bêtises comme ça, genre ça, et genre moins d'un euro et tout. C'est genre des petits plaisirs pour les tchos. Pas cher, Action, j'aime beaucoup le concept. Bon, là, j'ai une sucette géante. Je sais pas, il y a quoi dedans. Waouh. Waouh, ouh. J'ai rien fait tomber. Waouh. Tous mes bonhommes, ils sont tombés. Ah. Et Théodore tombe pas. Je suis revenue. Bon, Théodore, on va laisser vite faire se reposer parce que je vais le faire tomber partout, moi. My God. C'est quoi, ça? Mais je sais même pas. C'est des petits trucs comme ça, violet. D'accord. Ouvre-toi, ouvre-toi. Ah, il y a une ouverture. Arrête de t'énerver, Léonore. Oh, une petite brosse. Pour brosser les cheveux que j'ai pas. Eh, s'il y a une brosse, c'est qu'il y a une crinière. Les gars, retenez ça. C'est-à-dire que dedans, je sais pas, c'est quoi, c'est un poney. C'est quoi, c'est... Je pense que c'est une licorne ou un poney, un truc comme ça. Oh, j'adore. Cutie. Wow, les gars, mais elle a une chevelure, mais là, si elle est pas belle là, elle est trop belle. Oh, mais dirait des trucs qu'on met dans le bain, genre ça aspire l'eau et après ça regonfle sa tête. Regardez-moi ce corps, mais de diva, mais cette crinière et tout là, mais très cute. On va la brosser un peu parce que les nœuds, hein, coco, faut se brosser le matin. Non, mais oh, voilà. Je brosse mon petit poney. Voilà. Mais franchement, hey, je vous jure, dans ma maison, il n'y a que des jeux. Genre, il n'y a pas longtemps, j'étais à Zeman, vous voyez. Zeman. Comme beaucoup aiment dire. Et genre, pourquoi il y a un assis autour d'elle? J'ai acheté des coloriages magiques. Et oui, les gars. Je vous jure, quand tu t'ennuies, un petit coloriage, vite fait, au lieu d'être sur son téléphone, moi j'aime beaucoup en fait. Hein. Ma maison, c'est clairement un truc où il y a des jouets et tout, alors qu'il n'y a absolument aucun gosse. C'est moi le grand enfant, les gars. Sinon, le petit poney, genre la surprise pour la petite fille, j'adore. Très cutie. On va le remettre. Donc en fait, je sais pas si ça c'est... Oh, je pense que ça fait un lit à la fin, une colibri comme ça. Waouh, dinguerie, les gars. Hop, le poney dedans. Dingue. Genre dingue de ouf. Et genre hop. C'est sa petite maison en fait. Et ça en fait, je pense qu'il doit avoir une collection ou un truc comme ça, mais... Ouais. Bref. Voilà, je valide et il y a une petite maison. Voilà. Bon, j'ai remis mon petit lézard. Espérons que je ne fais pas tomber mon petit lézard. Et j'ai mis un truc en fait au niveau de ma fenêtre. Parce qu'en fait, c'est des rideaux transparents. Sauf que ça me dérangeait beaucoup. Je vous jure, depuis tout à l'heure, avoir le soleil sur moi, ça me chauffait là. Waouh, dingue. Bon. J'ai petite bêtise, comme d'habitude. On ne pas une équipe qui gagne. Ça, je vous jure, hey, tous les gosses ont rêvé d'en avoir un en fait. Mais pas comme ça. Un comme ça, genre gigantesque. On est d'accord, Théodore. Toi aussi, tu as rêvé de ça. Étant petit. Il bouge pas, hein, il est très calme, genre. Bien dressé et tout. Je vous recommande d'aller vous acheter un Théodore à Action. C'est bien dressé, je vous jure, c'est vrai. C'est...
pas de problème pour les caca et les pipis. Hein, il y a une litière dans son corps. Directement, voilà. Ah, d'accord. Eh, je vous jure, le temps que je passe à ouvrir les machins, c'est drôle. Hein. Mais je pense que je passe plus de temps à les ouvrir qu'à les essayer. D'accord. Non, mais c'est bon, là. Action, méritez avec vos emballages. Vous abusez, les gars. Vous abusez. C'est bon, on va pas vous les voler, vos trucs à 1€, là. Je dis ça, je suis sûre et certain qu'il y a des vols, là, Action. Donc là, en fait, telle une enfant idiote, j'allais tourner directement. Il y a un sachet dedans, Eleonore. Il y a un sachet. Oh là là. Je vous jure. Bah, il souffle comment, le truc? Je sens... En fait, j'ai dit... Vas-y, je vais la garder, le truc et tout. Je trouve ça trop cute. Oh, mais je le mets dans ma cuisine et tout. Mais le truc, il va pas durer dans ma cuisine, les gars. Je vais le casser. C'est sûr, je vais le casser. Mais déjà, comment on fait pour sortir ça de là? Ah, ça s'ouvre. C'est sûr qu'il va se casser avec moi. J'en ai marre. Ah! J'essaye... Oh! C'est les bonbons qui sortent bons. Waouh! C'est n'importe quoi. Si j'arrive à faire tourner le sachet, il y a moyen qu'il se vide ou quoi? Il y a moyen. Ouais, waouh. Eh, je vous jure, je suis trop fort. Bon, allez, vite tout alors. Bon. Non, tu vas tomber, toi. Attendez. Je fais n'importe quoi. Même remplir un truc, un sachet de bonbons bidon, je fais n'importe quoi. Ça saute et odeur, il y en a marre de moi. Même plus. Il me parle plus. Ah, je rigole. Damn. Alors là. Je sais même pas s'il est bien fixé. Hein. Je sais même pas si je suis en train de le casser encore plus. Waouh! Waouh! Ouais, c'est dangereux votre truc là! Il est là le bon! Mais je veux pas qu'il retombe aussi. Dinguerie. Comment je fais pour qu'il remonte? Voilà. C'est validé. En plus, c'est les bonbons, vous voyez, qui coûtent 25 centimes la barre là. Dans les trucs Banette et tout, les boulangeries. Ça tue. Mais. J'en ai marre de tout faire tomber à terre, les gars. Je valide. Et le bonbon à terre, il est validé. Sinon, les amis, il y a des trucs que je... Ouais, il glisse, lui. Oh, glisse pas, mec. Reste là. Wouh. J'ai acheté ça. Vous l'aurez compris, les gars. Vu que j'ai fait la Reine des Neiges, je sais pas, j'ai eu une... Avant, j'étais pas non plus fan de la Reine des Neiges. Mais depuis que je l'ai fait en perso, genre de cosplay, j'adore. Mais je vous jure, j'adore. Regardez mon petit verre. Pour mon anniversaire, j'ai reçu beaucoup de cadeaux Reine des Neiges. Genre, mes collègues et tout, ils m'ont gâté niveau cadeau Reine des Neiges. J'étais en mode, let's go. Maintenant, je suis un peu la Reine des Neiges, quoi. Mais très cute. Bon, j'ai pris ça aussi. Oh, j'aime bien les Marvel, hein. Des petits gobelets, mais très cutie. Waouh. Ah, ça fait la sensation chelou. Je dirais que je suis à la mer. Validé, mes petits gobelets, hein. D'accord. Pour continuer, en fait, je continue dans les délires des petits objets. Voilà. Je me dis la Reine des Neiges, quoi. En fait, je vous explique. Je travaille à McDo, comme tout le monde le sait. McDo, un stylo, c'est très, genre... très demandé, en fait. T'as un stylo, genre, on te demande ça à 24. Parce que les stylos, ça disparaît beaucoup. Et oui. En une soirée, tu peux t'en faire jour 5, les gars. Moi, je vous le dis. Sauf que ça, en fait, qui a un stylo Reine des Neiges comme ça, de cette taille, en fait? Je veux même pas savoir si le stylo, il va carrément juste... J'ai un... Les gars... Sur mon petit uniforme, la limite, je vais le glisser. Moi, j'ai un stylo Reine des Neiges. Et ouais. Très cutie. Je vous jure, j'adore. Hey, j'adore des bêtises. Mais genre des bêtises. Ça, c'est une bêtise, en fait. Ça, c'est bidon. Genre, j'adore. Oh! J'ai fait tomber Théodore. Théodore. My God. Ouh. Le pauvre. Reviens ici, Coco. Ne t'en va pas. Une minute de silence pour Théodore qui vient de tomber. Je vais aller le mettre au lit, je pense. Bon, les amis, j'ai ramené Théodore au lit parce que il fait un peu de chute aujourd'hui, on va dire. Hein. J'ai pris à boire, comme d'hab, hein, de l'Arizona Iced Tea Lemon.
J'aime pas le citron. Logique. Tu prends des trucs que tu n'aimes pas, Eleonore. C'est logique. Mais je me dis, Arizona en soi, c'est bon. Wow, la mousse, les gars, calmez-vous. Pourquoi tu fais de la mousse, toi? Wow. Et où mon essuie-tout? Mais oui, mais hey, je vous jure, je prends un truc, je fais tomber tout le reste. Mais les gars. J'ai jamais vu ça. Bon, calme-toi. Arrête de faire des mousses. Pourquoi il fait de la mousse? Déjà, c'est même pas gazeux en Arizona, les gars. Pourquoi ça mousse comme ça, là? Je dirais que c'est gazeux, par contre. Zéro odeur. Zéro odeur. J'ai une odeur de canette. Waouh, l'odeur, les gars. Odeur de canette. C'est pas bon. Oh. Je suis sûre que c'est parce qu'en vrai, c'est parce que j'ai pris du lemon et j'aime pas. Non, je vais pas goûter. Je suis sûre que j'aime pas. Donc je vais pas goûter pour le kiff, genre de me dire est-ce que j'aime vraiment pas? Non, j'aime vraiment pas, les gars. On va la poser loin. En fait, vu que c'est pas validé, bah je le dégueule là-bas. Allez hop, t'es pas validé. Pousse. J'en ai une deuxième, les gars. Sauf que là, c'est de la mangue. Mangue. J'adore la mangue. Bon, je tape dessus comme ça, mais à la fin... Voilà, il faut l'ouvrir. Logique. Mais Léonore, mais t'es trop intelligente, genre... Mais ce coup-là, la prochaine fois... Je m'épuise. Celle-là, on sent une odeur de mangue. L'autre, on sentait une odeur de canette. Déçue. Ça a le goût de mangue, mais genre très léger, je dirais plus de l'eau. Mais ça a le goût de mangue quand même, les gars. Ouais, c'est vraiment un fond de mangue. Je suis dégoûtée. C'est pas validé. Parce que en vrai, moi, je veux vraiment qu'on sent le goût de la mangue. Genre, c'est de la mangue, les gars. On le voit que c'est de la mangue. Mais genre, ça, tout le temps, ils sont obligés de couper à l'eau. Non. Je suis dégoûtée. Voilà, je vais chialer. Je rigole. C'était une blague. Mais on continue avec ça. Ouais, le sac, tu vas me laisser tranquille. Hein. Je laisse sur mes genoux parce que... Hein, d'accord... J'ai mal au bras au bout d'un moment, hein. J'en avais marre aussi de faire tomber Théodore. Triste Théodore, tu me manques déjà. Calme-toi, Eleonore, calm down. Ça va rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc là, on a une petite fusée. Mais genre très cute. Oh, j'adore. Oh, c'est les trucs avec la poudre. Putain, je découvre. Eh, moi, je découvre tout, mais... C'est des... Hey, quand on est petit, on kiffe ça. Genre la sucette, mais qu'il faut tremper dans la poudre. Attends. Wow. Vous l'aurez deviné, c'est la fraise. C'est délicieux. Genre, c'est une bêtise. C'est un bonbon. C'est une logique que j'aime. C'est n'importe quoi, donc j'aime bien. J'adore. Je suis un grand enfant. La petite fusée. Elle est validée. Donc on le met de côté. Validé. Validé. Je sais pas, je chante quoi depuis tout à l'heure. Validé. Je fais que validé. Ça veut rien dire. D'accord, rien. Bref. On va continuer. Vite fait. Des fois, je coupe. Je me dis, allez, on fait une petite pause et tout. Rien du tout, là. Il n'y a pas de pause, les gars. J'en ai marre, je m'épuise. Mais regardez ce que j'ai acheté. Ah! La Reine des Neiges. Je vais clairement me laver avec du shampoing Reine des Neiges, les gars. Wow. Et un jour, je vais faire ça, mais c'est un truc qui va exploser dans ma tête. Je vais, genre, rien comprendre à ma vie. Sinon, les gars, waouh. J'espère que ça sent bon, en vrai. Parce que là, en fait, il faut l'ouvrir et tout, mais... Vous savez, la dinguerie, hein. Vous connaissez l'honneur et... ça a mal chance, mais... On va l'ouvrir quand même. On prend le risque d'avoir du shampoing sur soi. Je vais l'ouvrir comme ça. Ah si, il sent bon. Ah, ça sent le bébé. Bah, logiquement, shampoing Reine des Neiges, c'est pas non plus pour les adultes, hein. Mais voilà, quoi. Mais je vous jure, ça sent genre... Vous voyez, vraiment le pur shampoing de bébé, là. Comment ça s'appelle? Le genre Cadom, mais...
Encore en dessous de Cadom, genre l'eau de toilette, un truc comme ça, genre pour les bébés. L'eau bleue, souvent c'est une bouteille bleue, mais genre c'est une dinguerie cette eau. Mais même si j'ai pas de gosse, j'en achète limite. J'adore. Reine des neiges! Waouh! C'est bien sûr validé, vous connaissez. C'est du bon côté quoi. Waouh, waouh! Fais pas tout tomber quoi. Je vous jure, j'en ai marre, je fais tout tomber aujourd'hui. Now! Tada! C'est un petit. C'est rien du tout, genre. On le trouve partout ça, mais juste. C'est, ça me faisait rire, un petit œuf, pas de patrouille. Mais c'est pas la marque Kinder, donc c'est sûr, c'est du vieux chocolat bas de gamme là. Mais je veux le jouer en fait, les gars, je veux pas le chocolat. Là, clairement, c'est le jouet, le jouet! Vous voyez les gosses quand on les dit « Oh, de toute façon, je ne vais pas manger le chocolat !» Oh, c'est, ça commence à fondre. Bah, c'est clairement moi. Je veux juste le jouer. Ah, ça va, le chocolat, il est pas perdu. Je le mets au frigo, c'est bon, je le mange un autre jour. Wow, il n'y a plus de place pour poser. À voir, j'ai quoi comme jouet? Oh, trop mignon, j'ai une petite gomme. Enfin, les gars, après, je ne vais plus à l'école, quoi. Mais waouh, je connais pas lui, c'est qui? Je sais plus son nom. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Pat Patrouille, moi. Ah d'accord, bah ouais, vous donnez pas les noms. Bah oui, logique. Lui c'est Rocky, je le sais. Il y a Stella. Enfin voilà. Je sais pas c'est qui, mais en tout cas, très cute. Petit chien blanc des neiges. Enfin, voilà quoi. Moi j'ai ma petite gomme. Et il vit les gars. Je suis contente. En plus c'est ça le pire, je suis contente. C'est des trucs de bébé, je suis contente. Ah là là, je m'épuise. Mais il reste pas beaucoup de trucs, je vais pleurer. Wow, ça les gars, c'est genre le truc que j'aime pas de base. C'est, vous voyez les sprays là, comme ça. Genre là, ça a goût cerveau. Bah, je suis sûre que c'est pas du spray cerveau, quoi. Quand même, on va pas me faire goûter du cerveau. Ouah, les muscles, Léonore, les muscles. Ça se dévisse. Bah ouais, logique. C'est quoi ça? Wesh, c'est liquide, mais dirait un roll-on. Je suis sûre que... Je vais lire avant, c'est jamais, hein, les gars, parce que... J'ai dit, c'est du roll-on et mouche de bouffe. Non, c'est marqué quand même des... Genre... Ah, c'est pas un spray, du coup. Ah, j'ai compris. La roue, c'est juste, en fait, quand on lèche, du coup, ça tourne. Et ben, ça met le jus qui est là, mais dessus. D'accord, ok. Non. Bah c'est pas bon. Bah. Ouh. J'aime pas. Peut-être bon pour vous, hein, mais moi, je suis pas fan des trucs comme ça, là. J'aime pas le cerveau, en tout cas. Je suis pas un zombie, moi. Par contre, pour le packaging et tout, genre l'idée du truc dur tu lèches et que, voilà. Je valide, mais je valide pas pour le goût, donc. Next. Voilà, quoi. Bah. Ouf. Sinon... Il me reste quelques trucs, mais c'est des trucs tellement rigolos. Genre ça. C'est un hand spinner. Mais genre... Bah c'est un ballon en fait. Un hand spinner ballon. Truc d'enfant encore, comme d'hab. Hein, ma maison, c'est pas comme si elle était remplie de jeux d'enfants. Juste pour faire des halls en plus. Oh, j'adore. Mais vous savez que les hand spinners, c'était grave mon délire. Genre, j'étais en mode, wow, je fais du hand spinner sur les doigts et tout. Genre, un seul et tout. J'ai kiffé de ouf. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est pas très stable, hein. Ouh. Pas stable le truc, hein, le machin, là. Ouais, bon. C'est un peu la galère, quoi. Attendez, il y a les délires tour du monde et tout, là. Ouais, bon, non. Bref, j'arriverai pas avec ça. Par contre, c'est très rigolo, genre. Et tu t'ennuies, t'es devant la télé. En plus, le bruit, genre... qui tourne pour bien saouler la personne qui est à côté de toi. Écoute-le, écoute-le, écoute-le. Si on m'envoie pas une patate à cause de ça, je comprends pas, moi je vous le dis. Hein. Je réclame pas une patate, mais là c'est sûr, on en verra une. Hein. Bah les gars, c'est une grande enfant qui se respecte, j'ai pris des petits jouets du coup. Attendez, au lieu d'aller chercher un ciseau, vous mettez dedans. Bah ouais, chacal, bah, chacal. Ça, le truc genre que, bien sûr, je sais plus ça s'appelle comment. Waouh, trou de mes mains. Rubik's Cube, voilà. Le truc que je sais que je vais le mélanger, je vais jamais réussir à trouver une combinaison et tout. Mais, vous voyez, c'est le risque. J'aime bien. En soi, j'aime bien. Le risque de se dire que je vais jamais réussir à le faire, c'est rigolo. C'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup. Hop là.
C'est sûr et certain, je vais passer 6 jours à essayer, mais je vais jamais réussir à le faire. Je vous jure, c'est vrai. C'est des délires, genre. C'est pour gosses là, par contre. Hein. Et c'est sûr que j'arriverai pas. N'abusons pas non plus. Bref. Il est mélangé, je suis contente. Si un jour, au pire, je fais une vidéo, genre un live ou quoi, en train d'essayer de défaire, je sais très bien que je vais pas réussir, mais c'était juste pour le kiff de l'avoir acheté, je vous jure. Quand j'étais petite, j'essayais de tirer là les petits carrés, genre de les retourner. Ça marchait pas, bien sûr, ça le cassait. Bah oui, logique et l'honneur, ça va pas marcher, sinon tous les tricheurs le feraient. Je suis pas une tricheuse, hein, mais. Ouais. Un petit peu quoi, mais voilà quoi. Là, je suis plus sûre. Donc, je sais plus si c'était marqué parce que c'est tout le temps des trucs en anglais, des noms bizarres à action, mais. Je sais plus si c'était pâte à prout ou un truc comme ça, genre. Mais si c'est la pâte à prout, hein, je suis un gros gosse. Je vais être heureux. Par contre, je me souviens, c'était un truc de dispute ça chez moi. En mode, mes frères et sœurs, dès qu'ils avaient une pâte à prout qu'ils avaient eu à l'école ou quoi, hein, ou juste on leur achetait une pâte à prout, c'était fou. Genre, ils pouvaient tuer leur mère pour en avoir une de pâte à prout. C'était dinguerie. Je sais pas pourquoi ils aimaient autant. Waouh! Waouh! C'est quoi ce délire? C'est quoi? C'est pas de la pâte à prout. Je sens le délire, c'est. Oh, c'est pâte bizarre là, c'est du slime, non? Wow. Ah ouais, c'est du slime. D'accord. Oh, eh, je vous jure, j'ai toujours rêvé de faire des vidéos avec du slime, genre. Oh. Attendez. Waouh! Ah, ça! C'est dégueulasse, ça colle au dos. Ah, wesh, ça met du orange et tout sur les doigts! Mais j'ai pas signé pour ça, moi! Je voulais faire le délire, là, comme dans les vidéos. Mais regardez mes doigts! Oh, dommage, mais... Regardez, ah, c'est trop satisfaisant. Oh. Je vais éviter de mettre au niveau de ma bague, parce que, wow, elle est orange. J'adore. Oh là là. Du slime. Ça aussi, c'était généralement cause de dispute. T'as volé mon slime! Voilà, moi j'étais en mode beau, c'est dégueulasse le slime. J'aime pas ça de base. Mais là, il est cute un peu. Il est... Oh, satisfaisant de ouf. Ça, c'est à cause de TikTok. Toujours c'est à cause de TikTok. J'ai regardé des vidéos où les gens. En fait, vous voyez, des fois il y a une petite vidéo genre comme ça et comme ça. Genre il y a quelqu'un qui joue avec du slime et tout en dessous et une histoire qui est racontée ou autre. Je sais pas, moi ça, je peux regarder pendant des heures. Même si c'est une histoire bidon, tu vois. Et je vais regarder pendant des heures. Juste une chatte qui s'est fait abandonner par sa mère. Ça y est, ça me... Waouh. Oh, dégueulasse. Je valide le slime. Vous l'avez vu, je l'ai mis du côté là, je le valide. Même si en vrai, il fait des taches au doigt, c'est dégueulasse. Mais en soi, tu t'ennuies, tu joues avec ça, c'est rigolo. Hein, quand t'invites un tcho chez toi, quoi. Mais... Voilà, très cutie. J'adore. Bon, je vais ouvrir le deuxième. Troisième. Ouais, je sais plus, bref. Ça, je sais pas c'est quoi, les gars. J'ai vu bébé, ben, j'étais en mode, oh, délire, imaginez, il faut faire de l'eau et tout, genre... Bon, tu vas t'ouvrir, Maurice. Oh, c'est un petit bain pour Pépé. Bon, on va essayer de l'ouvrir. Oh, mais il y a un petit bébé dedans, mais genre. Waouh, c'est cute. C'est quoi, c'est genre, je vais m'occuper du bébé? Oh, trop mignon. Ah non, c'est une collection, d'accord. Donc, il y a un bébé, il s'appelle limite Crado, quoi. Mais ça, rare. J'ai qu'à le foutre dans la chiasse et c'est bon, hein. Il sera crado, moi, je vous le dis. Hein. Mais, genre, c'est trop mignon. Ça veut dire le bébé, imaginez, il change de couleur. Bois, ce serait une dinguerie. Je vais aller tester ça tout de suite, en fait. Je veux trop savoir s'il change de couleur ou quoi. Oh, mais regardez ces petits petons et tout, ils bougent. Ça s'enlève pas, ça? Non. J'aime trop enlever la tête des gens, limite. Mais... Regardez, genre, c'est vraiment son petit bain, genre. Waouh, c'est trop mignon. Enfin, un jeu pour bébé, ça, par contre. Hein. Waouh. Mais bon, voilà quoi, c'est pas que je suis un bébé, mais je vais les mettre de l'eau, j'arrive. Bien sûr, les amis, j'ai pas mis d'eau chaude cette fois-ci, hein. Je veux juste savoir s'ils changent de couleur. Oh, sa couche, elle change de couleur, wesh! Oh, c'est délire de ouf, j'adore. C'est trop mignon. Genre, ça veut dire que sa couche, elle est mouillée. Faut que je fasse quoi pour le sécher? Non, ça marche pas. Faut l'essuyer, non? Ah ouais, je pense que t'essuies, genre ça enlève et tout. Mais je vous jure, ça tue sa mère. Attendez. Hop. Sa cuillère et tout. Ouais, c'est trop mignon. Bref, donc vous voyez, il a changé. Genre sa couche était blanche, elle est devenue bleue. Genre un bleuté trop cute. Voilà.
Voilà, l'eau sur moi là. J'ai failli renverser ça. On va éviter de le renverser, on va le poser tout doucement, bien sûr. Allez hop, ça c'est posé. On va essuyer sa couche pour voir. Ouais. Et elle redevient un peu blanche. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais hey, des fois il y a des trucs. Il y a des jeux à l'heure d'aujourd'hui pour des enfants. Je vous jure, ils diraient des trucs possédés, genre un peu magiques pour moi. Genre, vous voyez, des trucs. Ça change de couleur de cheveux, tout, les Barbie sirènes et tout. Moi j'adore, hein. Moi je me suis ces petites fesses, hein. On parle en entendant. Non mais oh. Ouais, c'est trop cute. Allez hop là. Il y a le cul tout changé, tout propre. Allez hop. Non, je... C'est validé, le jeu pour les bébés, franchement j'adore. Mais j'adore. Voilà, je l'ai remis dans son bain. Donc moi je viens de l'essuyer, bien sûr. Je suis qui, moi? Je l'essuie pour aller dans son bain? Ça, c'est un truc de gosse, je vous jure, les gosses, on les essuie et tout. On se retourne 5 minutes pour prendre leur caleçon et leur mettre. Ils sont dans le bain. Ne jamais habiller un enfant dans la salle de bain. Je vous jure, c'est vrai. Parce que tu te retournes à peine, ça y est, le gosse il est reparti dans la baignoire en mode mec, je viens t'essuyer il y a 5 secondes, mais je vais te démarrer. On rigole, on va pas démarrer les gosses, si, si, quand même. Je ferai pas ça. Il y a encore un truc à vous faire montrer et c'est le truc que j'attendais de ouf. Attendez, attendez, il faut que je prépare tout là pour le faire en plus. Ça. Ça, les gars. En gros, c'est un gros œuf. Et il faut que je le mette dans... Ah bah non, mais il faut attendre longtemps, en fait. 48 heures, c'est une blague. Quoi? La vie, je vais le casser. Là, vous voyez, on va aller dans ma salle de bain, faire une petite expérience. Je vais tout casser s'il faut. Mais moi, je veux mon truc. Ou alors, je vais ramener un seau, je sais pas, faire comment pour... Mais je veux voir ce qu'il y a dans l'œuf, en fait. Vous croyez que je suis qui? Moi je vais attendre 72 heures. Moi je vais attendre 72 heures. Mais même pas en rêve. Ouais, c'est bon, allez, je l'arrache. Bonjour, hey, j'attendais trop pour vous ouvrir le truc. Alors à ce qui paraît, il y a une licorne, elle sort et tout. Genre, c'est trop mignon. C'était ça ou un œuf de dinosaure? Bon, je me suis dit une petite licorne, pourquoi pas. Hop là. Ouais, il y a des trous et tout. Mais hey, si c'est pas trop beau, j'ai envie de le claquer à terre pour découvrir ce qu'il y a dedans, en fait. Non, je rigole. Je vais aller dans ma salle de bain, on va s'amuser à essayer de l'ouvrir. Ça va être drôle. Ah, j'ai lancé un truc à terre pour une fois. On va essayer de faire une petite expérience. Je vais essayer de le casser sa race, mais bien violent, quoi. Allez, on va aller dans ma salle de bain. Les gars, là, je me suis dit, mais pourquoi pas tester, en fait. On va tester ça. Genre, en même temps... Je vais faire un carnage, moi, je vous jure. Donc là, je vais lui faire couler son petit bain. Son petit bain, je vais mettre ses petites paires de bain. Et je vais mettre son petit œuf. Je vais faire un bordel, je vous jure. Hop. Le clochard et la belle. Waouh, ça fait de l'eau violée. Ah, j'adore. Ça fait... Eh, ça fait pas de l'eau violée partout là, non mais oh. Mais vraiment, c'est très désagréable d'avoir tout ça sous les fesses en te lavant, genre. Ouais, oui. J'aime beaucoup. Putain, mais heureusement que j'habite chez moi, dans ma maison en bois, parce que ça aurait été chez ma mère, j'aurais fait une bêtise comme ça. Elle aurait été... Ouais, les mains, ils sont bizarres. Non, c'est juste maman qui est bizarre avec la lumière, mais... J'adore. Oh, de l'eau violette avec l'œuf. Attendez, hop là, c'est pas délicieux. Mais... Le petit œuf. Vous pensez que si je mets de l'eau chaude, ça va accélérer la cadence, ou quoi? Non, le petit œuf, il veut faire dodo. Imaginez, je fais un pain et genre, je le laisse longtemps, mais genre vraiment longtemps. Quand je vais chercher un marteau, je vais le casser. Hein. Ouais, bon, bonne idée, bonne idée. Les gars, j'ai clairement pas trouvé de marteau. J'ai pris ça. Je me dis si je le casse. Mais c'est hyper dur, genre je sais pas. Je vais essayer, mais je vais faire une connerie, je le sens. Je vais sortir l'œuf de l'eau. Que peut-être en vrai. Oh, je suis bibi. Oh, mais je vais foutre un bordel. Regardez, je fais bibi. Je vais faire n'importe quoi. Bon, ça va mouiller toute ma maison, mais tranquillou pilou. Hein? Ouais, c'est vraiment dur cette connerie.
réussi à le casser. Wow. Les gars, j'ai réussi à le casser. Attendez. Mais je fais vraiment une bêtise. Oh, ça a mis plein de partout. Oh, j'ai une petite licorne. Mais, oh my god, j'ai fait le carnet, je sais plus. C'est quoi l'odeur de la licorne? Elle sent chelou. Donc là, en fait, les gars, il y a les petits trucs que j'ai cassés. Je suis contente, j'ai fait de la merde. Il y a ma licorne. En fait, elle veut vraiment grossir parce qu'elle a une matière trop chelou, là. Mais genre, faut vraiment que je la laisse grossir. Mais au moins, vous la voyez. Genre, salut. Elle va se laver avec moi dans mon bain. Oh my god, le bordel. J'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, hey, pour une vidéo YouTube, j'en fais du bordel. Mais vraiment, mais... Au moins, vous avez vu la licorne et je suis contente. Les amis, après ce petit carnage dans ma salle de bain... D'ailleurs, je dois aller tout ramasser. Je dois ramasser tout ce que je fais tomber ici depuis tout à l'heure. C'est génial. Mais sur ce, cette vidéo est terminée. Je vais laisser mon petit... Ma petite licorne grossir pendant 2 jours dans ma baignoire. Moi, je vous le dis, hein, les gars. Non, mais c'est une blague. Mais je vous jure, je fais des bordels, moi, sur mes vidéos, des fois. Là, il faut que je range tout le bordel que j'ai mis là. Que j'ai bien étalé sur la table. Faut que je range tout, faut que je nettoie tout. Mais en soi, la vidéo a été pas mal. Donc, moi, je suis heureuse. Je suis heureuse que, parce que là, je vais monter en fait dans un bain très chaud. Avec plein de perles dedans. Et avec une petite licorne dedans. Elle, la licorne, il faut trop que je vous la filme. Je vous jure, c'est un délire. Bref. Moi, je vous dis au revoir. Le petit bébé, il vous dit au revoir. Théodore, toujours présent, il vous dit au revoir. Il vous laisse liker, vous abonner, partager et commenter si ça vous a fait rire. Bref, gros cœur sur vous et bisous.